On est à un mois du premier tour de la présidentielle, mais faisons un petit saut dans le temps, remontons en 1981, à l'époque une autre élection présidentielle se préparait. Et souvenez-vous, Coluche était candidat. L'annonce de sa candidature a suscité beaucoup de remous, c'est peu dire, jusqu'à ce que l'humoriste finisse par jeter l'éponge. On en parle aujourd'hui avec notre invité parce qu'on aimerait bien savoir quel regard Coluche porterait aujourd'hui sur notre présidentielle en 2017. Bonjour Marius Colucci. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. C'est toujours <laughs> très plaisir. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes comédien, vous avez vu au cinéma, à la télévision et plus particulièrement dans les petits meurtres d'Agatha Christie Christi, Christi, sur France 2. Et vous avez cartonné même récemment dans Capitaine Marlowe sur France 3 oui. euh, aux côtés de Corinne Mazier, où vous avez fait voilà. un très bon score, 6,5 millions de, de, de téléspectateurs. J'y suis à nouveau, un euh, mardi prochain là. Eh bien, vous suivra de nouveau. Vous êtes également, et c'est aussi pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, le fils cadet de Coluche avec votre autre frère Romain. Exactement. Vous êtes l'artisan de ce livre voter, éliminer, voilà. Coluche s'invite dans la campagne Romain, hein, présidentielle. Hein, C'est surtout rendre. Romain Oui, il a plus travaillé <laughs> euh, dessus que moi. Mais vous avez quand même apporté votre patte, on va dire. Donc ce livre rassemble les citations, les aphorismes de Coluche, comme celle-ci par exemple, avant moi, la France était coupée en deux, avec moi, elle sera pillée en quatre, ou encore, je ferai aimablement remarquer aux hommes politiques qui me prennent pour un rigolo que ce n'est pas moi. Qui est commencé <laughs> au-delà de, de cette actualité qui nous concerne aujourd'hui, le 23 avril, hein, je le disais, c'est le, le premier tour. Quelle a été votre ambition première pour sortir ce bouquin Eh ben, euh, en fait, parce que nous, déjà, ce qu'on aime bien, c'est faire vivre la mémoire de, de Coluche. Alors, mmh. quand on dit ça, on a l'impression que, que c'est vieux, mais, mais mine de rien, ça fait 30 ans qu'il est mort et il y a des jeunes qui, aujourd'hui, ne euh, l'ont pas connu de son mmh. vivant, connaissent surtout à travers les restos du cœur, parce qu'il oui, continue à y avoir les enfoirés tous les ans, et donc ça, 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 ça parle de. De soi quoi, mmh. euh, mais, euh, mais ils connaissent pas forcément euh, l'humoriste, euh, et pourtant euh, à travers les réseaux sociaux, on voit énormément de petites phrases parce que c'est vrai que euh, c'est pratique. Comme mmh. il faisait beaucoup de phrases qui étaient assez choc et pertinentes, punchlines, on dirait, voilà, oui. des punchlines, <laughs> exactement. Euh, du coup, euh, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, oh, ouais. donc euh, donc c'était pour euh, bah, pour apprendre à ceux qui l'ont pas connu un peu euh, ce qu'il pouvait dire de rigolo. Et puis, comme il a beaucoup parlé de politique et que ça. en ce moment c'est la, la période, c'est bien de montrer. <laughs> Aux gens que bah, finalement c'était un peu, on peut dire la même chose aujourd'hui. Tout à fait, on va y revenir dessus. Quoi. Mais à propos des jeunes dont vous parlez de cette jeune, une génération qui pour l'essentiel n'était pas née quand, quand Coluche est mort en, en juin 86, c'était qui Coluche Comment vous, vous le présenteriez, comment vous le définiriez à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont euh, moins de 30 ans bah, On va dire que euh, c'était qui Alors c'était d'abord un, un jeune de mmh. banlieue qui voulait s'en sortir parce que bah, il n'avait pas un avenir. Euh, énorme et donc euh, bah, il a utilisé le théâtre et puis après de fil en aiguille il a fait du one-man show mmh. et puis du cinéma euh, quand il était devenu plus une vedette et, euh, et, au pas... et puis de la radio et de la télé. Et, et à travers tout ça, euh, un de ces trucs, c'est peut-être d'avoir amené le stand-up en France. Oui. Alors, même si euh, on avait le musical qui ressemblait déjà un mmh. peu à du stand-up, mais euh, qui était poussiéreux, on ne trouvait pas ça euh, moderne comme aujourd'hui. Et finalement, lui, de s'adresser directement au public euh, sans avoir un personnage à jouer, euh, c'était quelque chose qui était assez nouveau. Et puis, il avait un regard euh, bah, qui venait de la rue et, oui. et il était très pertinent, très. Euh, très très intelligent et, 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 et donc il avait un regard qui venait de la rue sur la politique mmh. et tout et il faisait de la vulgarisation. Donc c'était vachement pratique à son temps parce qu'en son temps, c'était le, le seul à expliquer ce qu'on pouvait trouver dans les médias, ce que pouvaient raconter les hommes politiques et à le décrypter pour oui. que tout le monde puisse le comprendre. – On va prendre une autre citation du livre. Euh, Coluche disait euh, « Maintenant, on peut aller de scandale en scandale, dans la politique, dans la finance et ça gêne personne. C'est le principe de l'information à l'américaine. On dit vraiment tout. Mais les gens s'en foutent. <laughs> Vous les connaissiez toutes, ces citations Vous en avez redécouvert certaines oh, Il y en a certaines que, que j'ai redécouvert. Mm. Ça, c est, c est, voilà, quand je disais que c'était surtout mm. un travail de mon frère, c'est qu'il a pris toutes les émissions de télé, de radio, euh, ou tous les, les, les sketchs qu'a pu faire Coluche, et il a compilé toutes ces phrases euh, pour, en, pour trouver toutes celles qui parlaient de politique. Après, on a juste fait un tri. Oui. Et, euh, et effectivement, oui, il y en a certaines dont, dont je ne me souvenais plus. Euh, et, et, et surtout qui, qui sont encore du qui sont encore modernité extraordinaire. Quelle est celle pour vous qui résume le plus, on va dire, l'actualité politique qu'on vit en ce moment, par exemple euh, bah, je, je, En sortir une, c'est un peu compliqué. Puis en il plus, beaucoup, euh, il y en a beaucoup. <laughs> euh, il y en a beaucoup. Euh, en a une on qui cite une, qui souvent celle euh, où il dit euh, j'emmerderai la droite jusqu'à la gauche. Ouais. Euh, Enfin, il y en a pas mal, et, et, et surtout, c'est ça qui est rigolo, c'est de voir que lui, il parlait de la politique de, de son époque, mmh. mais que finalement, on peut dire exactement la même chose aujourd'hui euh, de notre époque. Lui, en, en, en 80, quand même, il disait Vous verrez en 2012 quand la gauche va passer. Mmh. Euh, c'est d'une actualité euh, redoutable. Hein. Vraiment, le, le contenu oui. de ce livre, on, on, est, on est quand même très impressionné, parce qu'effectivement, ça se calque totalement à l'actualité d'aujourd'hui. Vous diriez qu'il était visionnaire, Coluche bah, euh, je pense qu'il était pertinent, peut-être mmh. visionnaire. Un il peu... avait de l'intuition, en tout cas. Oui, et puis il avait ce bon sens populaire euh, où, euh, où, quand on voit les mecs faire euh, des magouilles dans tous les sens, euh, bah, à un moment, il euh, y a toujours un type pour euh, s'arrêter et dire euh, « Non, mais là, quand même, on marche sur la tête. Ouais. » Et voilà, lui, il avait cette pertinence-là. Mais il avait aussi la conviction que les choses ne, ne s'arrangeraient pas Ah, euh, ça, je sais pas. Mmh. Je... Peut-être, oui. Bah, il avait un côté un peu, euh, pas tout à fait tous pourris, mais... Euh, Pessimiste mais... Bah, euh, – il, il, il attendait un peu qu'un homme politique oui. euh, arrête de nous prendre pour euh, des cons, parce qu'entre les promesses électorales qui servent à rien, euh, puisqu'on ne les tiendra pas, on en tiendra une ou deux dans les premiers mois pour dire j'ai fait ce que j'avais oui. promis, puis après euh, ils feront comme tout le monde. Les programmes, hein, aujourd'hui, c'est navrant les programmes, il n'y a pas de programme, oui. le, le programme c'est de désinguer l'adversaire, maintenant il ne faut pas gagner les élections, il faut éviter de la perdre, il faut la faire perdre aux autres. À l'automne et... 80, quand, euh, quand il a annoncé sa candidature, c'était quoi son objectif Qu'est-ce qu'il voulait faire, en fait bah, Lui, euh, c'est un peu… Euh, D'abord, il voulait faire une grosse blague. Mmh. Et puis, il était énervé d'un truc, c'est que euh, lui, on le censurait en tant que clown mmh. parce qu'il disait des trucs qui étaient des vérités. Et à côté de ça, les hommes politiques qui, à longueur d'émission, ne disaient que des mensonges, on les censurait pas et au contraire, on les encensait. Donc il s'est dit, je vais faire une campagne politique et comme ça, on me censurera plus et je pourrai dire ce que je veux. Euh, je pourrai dire l'aménagement. vous donnera vérité, la parole, comme les voilà. autres candidats. Sauf que malheureusement, ça n'a pas marché du tout <laughs> parce que euh, les hommes politiques ne euh, s'inquiétaient pas tellement de lui tant que c'était un amuseur. <laughs> Mais à partir du moment où il était sur leur terrain, euh, là, ça allait plus mal. Donc. Euh, donc on lui interdisait les émissions politiques euh, au prétexte qu'il était un clown, et puis on lui interdisait les émissions de variété euh, sous prétexte qu'il était en campagne. Donc finalement, il s'est retrouvé euh, privé de tout. Ça n'a pas, pas empêché marché. de faire des, des scores assez, assez considérables. Les votes d'intention étaient donnés quasiment à 16%. Jusqu'à 16%, c'était le voilà. JDD en, en décembre ça. 80 qui annonçait 16%. Je ne suis pas certaine que Coluche y ait cru, puisque lui-même disait souvent, oui, il euh, y en a qui font beaucoup, il y a certains journaux qui feraient tout pour avoir un maximum de lecteurs. Ouais. Et sur ces 16%, il n'était pas tout à fait sûr que les chiffres étaient non, exacts. c'est des intentions de vote. Donc ça, les, les, les sondages, il mmh. euh, lui-même le dit, la différence entre les statistiques et les sondages, c'est que les statistiques, c'est vrai. Oui. Et les sondages, pas toujours. Hein. Il avait un programme, et, Coluche euh... Non, il voulait faire chier, <laughs> il, voulait, euh, il voulait taper sur quelques tronches euh, et se marrer, mm. mais, euh, mais il n'avait pas de programme et il serait jamais jusqu'au bout. bout. Oui. Bien sûr, c'était une farce, oui, oui, il serait jamais allé jusqu'au bout. Mm. Ensuite, euh, ce qu'il a bien stigmatisé, c'est... Un truc que les hommes politiques de cette époque, en tout cas, n'avaient pas vu, c'est que pour gagner une, une élection présidentielle, maintenant, faut être présent dans les médias. Oui. Et comme lui, c'était le roi des médias, bah là, il leur damnait le pion et c'est comme ça qu'il leur a volé 16%. Il était un peu précurseur sur ce coup-là, alors Il était assez précurseur ouais. sur ce coup-là. Et euh, ce qui est un peu malheureux aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que rien n'a changé, c'est que ces 16% d'intention de vote, c'est des gens qui ne se retrouvaient pas dans les grands partis politi mmh. politiques. Et, euh, et ces personnes bah, sont restées totalement à l'abandon et les grands partis politiques ne se sont pas du tout occupés mmh. d'eux. et du coup ils ont été récupérés par les extrémistes et maintenant on se retrouve avec des, des élections euh, avec des extrémistes au, au second tour et du coup des. Des scores de république bananière mmh. au deuxième tour. Et maintenant, le but du jeu, c'est de se retrouver en face des extrémistes pour être sûr de gagner. Il faut mmh. gagner le premier tour et là, on est peinard. Mmh. Quoi. À l'époque, lui, et... son ambition, c'était de rassembler les abstentionnistes. Voilà. De parler à ceux justement, Mais qui s'abstenaient ou qui encore votaient encore blancs. Extrêmement Donc, nombreux. – Pour pouvoir hein, les comptabiliser, justement, pour montrer pour à ceux pour... qui étaient en place regardez, ça représente une masse assez qui considérable. Existe et et qui existe dont existe, il faut s'occuper et qui, qui a des besoins sociaux aussi et mmh. politiques, évidemment. Je passe à la campagne aujourd'hui, en 2017, une campagne qui est marquée par les affaires, un quinquennat de Hollande qui est sacrément voyez, décrié. <laughs> Qu'est-ce qu'il dirait Coluche aujourd'hui ben, euh, Moi je pense qu'il se marrerait bien et, et, et en gros il pourrait recycler ce qu'il a dit il y a 30 ans parce que, encore une fois, c'est d'une actualité incroyable. On peut lire la moitié des phrases et, et qui sont adaptables directement. Alors moi je ne suis pas du tout mmh. la campagne politique parce que parce que déjà pour moi la politique c'est pas immédiat et là comme on fait beaucoup de presse parce que c'est la campagne oui. alors on fait du battage oui. mais du coup ça pousse les politiciens à faire des petites phrases et ne plus parler jamais de politique. Oui. Et c'est vrai qu'avant euh, on se rappelle des débats politiques. Euh, il y avait du fond. Il y avait du fond, mais on se faisait chier. Nous, on comprenait rien. Alors, vous qui, qui êtes euh, brillante et dont c'est le métier, vous Merci. comprenez sans, sans doute un peu mieux que moi. Et pour, mais, le, euh, commun mortels, pour le commun des mortels, la vulgarisation, c'était un enfer. Il y avait ouais. un ancien mmh. combattant dans un coin qui, généralement, se fâchait avant la fin mmh. du débat et se barrait. Euh, mais c'était incompréhensible. En attendant, ils parlaient vraiment de politique oui. entre eux. Et aujourd'hui, mmh. bah, on vient leur poser des mmh. questions toutes les semaines. Leur métier, c'est de voir à long terme. Donc, forcément, toutes les semaines, ils n'ont rien de nouveau à dire. Mmh. Vous parliez tout à l'heure des, des extrémistes. Aujourd'hui, euh, la montée du Front National, qui, dont dans oui. la présence au deuxième tour n'est plus exclue euh, dans, bah, dans, les, dans les voilà, maintenant, c'est… – Il n'avait pas prévu ça, couluche. Peut-être qu'aujourd'hui, il serait Moi, vraiment… – Oui, il parlait déjà pas mal hein, du, du mais Front National. De, de, de voir les et, résultats et que fait de le, le Front National aujourd'hui, peut-être qu'il était loin d'imaginer bah, qu'on arriverait à ce Il pas cette vague-là non plus. Alors, mmh. lui, il, il, parlait, euh, il parlait plus des communistes, mmh. par exemple, dont on parle moins aujourd'hui, mais qui étaient aussi dans cette frange un peu en marge. Euh, et aujourd'hui, euh, effectivement, l'extrême droite fait des gros scores, mais l'extrême gauche est juste derrière et mmh. ils attendent que euh, leur tour, en fait. Qui viendra sans doute, puisque toujours personne ne fait rien et que, et que les grands partis euh, bah, déçoivent de plus en mmh. plus. Euh, euh, plus personne reconnaît la gauche, euh, la droite, euh, c'est toujours les mêmes empires. Quand on voit la, la classe politique aujourd'hui, oui, on, on se demande un peu si on a vraiment raison d'élire un mec. Peut-être qu'il faudrait mieux élire personne. Enfin, C'est pour dire une connerie, mais, euh, mais finalement… Euh, si et on... à la fois, est-ce que le président de la France a vraiment des, des décisions à prendre pour la France peut-être Mais ils sont tiraillés de toute manière entre l'Europe, la Chine et les États-Unis. Euh, en France, je crois qu'on fait ce qu'on peut. Hein. – mm. Vous étiez très jeune, Marius Colucci, à l'époque, votre oui, père oui, s'est engagé. J'avais 5 ans, moi. Vous aviez 5 ans à peine, même d'ailleurs, à l'automne 80. Vous, avez... ouais, ouais. vous avez malgré tout des souvenirs, des impressions de cette époque-là, quand c'est arrivé, tout ça Non, très peu. Euh, moi, je me rappelle de mon père, mais pas tellement différemment mmh. d'avant, parce qu'il a toujours été un pitre, et puis il a continué, mmh. et il l'a fait en politique aussi. Euh... Comment vous l'avez appris, cet événement-là Et qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez su qu'il avait fait ça je crois que sur le coup, je ne me suis pas mmh. rendu compte. Moi, pour vous dire, de, des élections, le seul truc dont je me souviens, c'est Giscard au placard, Mitterrand président, qui mmh. était le slogan, un des slogans à gauche, hein, évidemment. Euh, donc voilà, moi, c'est tout ce dont je me souviens. Et la politique, ça m'intéressait pas tellement. Euh, mon frère, à cette époque-là, m'a demandé si j'étais de gauche ou de droite. Je lui ai dit, je sais pas. Il m'a dit, tu es droitier ou gaucher. Je lui ai dit, droitier, il m'a dit, tu de droite. Donc voilà, pour bien. moi, ça se résumait à ça, <laughs> la politique. C'est très simpliste. C'est très simpliste, mais j'avais 4 ans. Hein. C est, c est... Si on doit commencer à expliquer la politique aux enfants de 4 ans, on n'est pas arrivé. <laughs> Quelle place, quand même, malgré tout, elle occupe, cette phase-là, cette, cette, phase cette période-là de, de la carrière de Coluche, dans l'image que vous avez de votre père bah, euh, – Ça fait partie de, de ses coups, hein. il, alors celui-là c'est un peu exceptionnel mmh. parce que c'est celui qui n'a pas marché, c'est un coup euh, où effectivement sur le coup ça a marché mais lui il a été déçu du résultat, il aurait voulu que ce soit une farce encore plus… Mais, mais voilà, il faisait des trucs comme ça des fois. Euh, je sais qu'un jour, il a appelé ma mère en disant :« Tu t'inquiètes pas, aujourd'hui, je me marie avec le Luron. Oui, » euh, Voilà, <laughs> et pour qu'elle soit quand même, qu'elle sache à peu près. Mais nous, on n'était pas au courant. Moi, je l'ai découvert euh, euh, au JT le soir en regardant la télé. Euh, pareil, les restos du cœur. Hein. On savait pas la veille mm -hmm. qu'il allait le faire, et puis il l'a fait. Et ça, pour le coup, c'est un coup qui a marché ça a et qui marche encore. En on fait. regrette que ça, que ça fonctionne oui, aujourd'hui. On aurait aimé que ça s'arrête. C'est un, un peu dommage, effectivement. Alors cette annonce de coluche, ça a suivi une Popularité exponentielle, on le disait tout à l'heure, les, les sondages étaient favorables, on aurait pu s'attendre à ce qu'il aille beaucoup plus loin, et puis finalement non, il y avait ces salles médiatiques, évidemment, les intentions de vote, je viens d'en parler, et euh, au bout du compte, tout ça, ça finit par franchement déranger, parce que ce qui était une blague au début a fini par irriter. Oui. Euh, que ce soit la droite ou la gauche, Giscard euh... ou Mitterrand, qui sont, je crois, euh, allés euh, chacun de leur côté essayer de faire changer d'avis Coluche sur son engagement. Voilà. Euh, lui, il s'en réjouissait, il était très content que ça se passe comme ça. Et puis au bout d'un moment, il a fini par jeter l'éponge. Pourquoi bah, alors, Déjà parce qu'il y avait cette censure euh, des médias dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, on ne l'invitait plus ni dans la variété ni dans les émissions politiques. Donc tout euh, à coup, euh, lui qui voulait au contraire ne plus du tout être censuré, bah, il s'est retrouvé censuré de toutes parts. Donc euh, ça, ça l'intéressait plus, c'était plus drôle. Mmh. Et puis, euh, et puis, effectivement, après, il y a eu tous les à côté. Euh euh, qui, qui sont euh, quand même euh, les menaces de mort, les trucs comme ça, il y avait honneur de la police qui était très... Oui, rigolo, les RG, lui ont collé au cul, comme on dit. Euh, <laughs> voilà, et puis, euh, effectivement, il y a eu des émissaires de droite comme mmh. de gauche euh, qui venaient lui dire, euh, nous, il n'y a aucun problème, mais méfiez-vous de ceux d'en face. Oui. Donc ceux de gauche une... disaient, méfiez-vous de ceux de droite, ceux de droite disaient, méfiez-vous de ceux de gauche. Et effectivement... Euh... En définitive, c'est devenu trop sérieux pour lui, comme il le dit dans, oui. dans une citation du livre. Exactement, c'est devenu trop sérieux pour lui. Et il a euh... eu peur, vous pensez je ne crois pas qu'il ait peur. Il a été déçu parce que euh, tout à coup, il n'avait plus du tout de place médiatique mmh. et lui, c'est ça qu'il voulait. Euh, peur, bah, c'est sûr que euh, en plein au milieu de la campagne, en plus, euh, un, un, de ses, un de ses amis euh, s'est fait tuer. Bon, il se trouve que c'était un crime passionnel finalement, mais ça, on l'a su que des mois plus tard. Oui, euh, qui n'avait absolument rien tous, à voir avec, euh, avec à la voir. période électorale. Hein. Mais entre ça et les menaces et plus de présence médiatique et, euh, et, et puis euh, tous ces gros groupes qui, qui essayaient de faire pression, euh, qui, comme il le dit lui-même. Il y a une des rares euh, interviews qu'il avait données à l'époque parce que plus personne voulait l'interviewer mmh. en France, mais des Anglais étaient venus. Et lui qui parle pas anglais, il dit, bah, vous savez, la presse, hein, c'est à ça que ça sert, presse. Mmh. Les hommes politiques font pression sur la presse et effectivement le, le, le jeu de mots est assez bien trouvé parce que la politique et la presse ont, ont des, beaucoup de collusions et surtout en période électorale, ce qui est normal. Et, et lui, euh, bah oui, il a été... Euh, – Mais Il a essayé de faire bonne figure dans la foulée, euh, mais est-ce qu'il n'en a pas été malheureux de, de bah, cet échec comme si, vous dites ?– Si, un peu d'ailleurs, il n'est hum. pas revenu tout de suite, tout de suite euh, hum. sur, la, sur la scène publique, il a attendu un peu, il en a profité pour prendre des vacances, faire du cinéma, faire d'autres trucs, puis il est revenu à la radio, mais pas pas bah, immédiatement derrière quoi. Mais oui. ça l'a beaucoup touché finalement alors. Oui un peu oui quand mm. même parce qu'il avait il avait il avait perdu son jouet quoi mm. puisqu'il faisait marrer c'était de continuer à jouer et de s'éclater tout le temps puis là il bah, il pouvait plus jouer et donc c'était pas drôle quoi. <laughs> Merci beaucoup Mario ah, Colucci pour Colucci, pardon pour ce livre que je recommande parce que du coup ça rappelle de très bons souvenirs pour et ceux oui, qui oui. étaient nés on va dire dans les années 80. Et puis si la politique vous fait chier, <laughs> vous fait chier bah, c'est bien vous allez voir ça, ça vous allez vous, vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul et qu'il y en a plein. Et et qu'il y a des choses rigolotes à dire sur la politique. Exactement, voter, éliminer Coluche s'invite dans la campagne présidentielle, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci à tous de nous avoir suivis en direct sur Facebook. A bientôt Marius Colucci. A bientôt.